mi-homme, mi-démon, on dit qu'il est très laid et effrayant. Il aurait deux grandes ailes de chauve-souris, des oreilles pointues, ainsi que de longs doigts avec des griffes acérées. Pour couronner le tout, il ne posséderait qu'un œil, en plein milieu du front, comme un cyclope. On dit aussi qu'à son passage, on sentirait parfois une forte odeur de soufre. Cet être étrange est le Popo Bawa. Il nous vient d'Afrique de l'Est, plus précisément de Tanzanie et de l'archipel de Zanzibar. Bien que plus souvent décrit sous la forme d'une chauve-souris cyclope, il paraît que le Popo Bawa a le pouvoir de se transformer comme il l'entend. La légende dit qu'il peut parfois agir le jour. Mais c'est à la nuit tombée, quand les lumières s'éteignent et que tout le monde dort, qu'il rôde le plus souvent. Il pénètre les foyers et peut s'en prendre à qui bon lui semble, homme, femme ou enfant, et même à toute une famille en même temps. Mais ses proies de prédilection sont tout de même les hommes. Si ses attaques peuvent être de simples griffures ou des morsures, l'agression la plus redoutée est d'ordre sexuel. Lorsque cette entité se manifeste, il n'irait pas de main morte, car d'après la légende, la créature n'hésiterait pas à sodomiser ses pauvres victimes. Et vu que ses proies idéales sont les hommes, on imagine bien que ces derniers le craignent d'autant plus. On raconte que cet être maléfique aime particulièrement s'en prendre à ceux qui nient son existence et qu'il irait même jusqu'à obliger ceux-ci à relater les détails de leur agression à leur entourage sous peine d'être attaqué à nouveau. Une chose étrange qu'on a pu constater par rapport aux nombreux témoignages sur le Popo Bawa, c'est qu'à chaque fois que l'entité s'est manifestée, c'était le plus souvent à des moments bien précis, notamment durant les périodes électorales. La légende du Popo Bawa ne date pas d'hier, mais elle est tout de même assez récente. En effet, c'est au milieu des années 60 que la créature est signalée pour la première fois, à Pemba, une des îles de l'archipel de Zanzibar. Plus tard, en 1971, il paraît que plusieurs villageois furent témoins de faits étranges. Apparemment, la créature se serait adressée à eux en prenant possession d'une jeune fille. Dans les années 80 aussi, quelques déclarations ont été recueillies. Mais c'est dans les années 90 que celles-ci ont été plus nombreuses. En 1995, plus précisément, des familles vivant à Zanzibar auraient, paraît-il, été attaquées par l'entité. Forcées d'abandonner leur foyer en pleine nuit, avec la peur au ventre, ces familles ont dû rester dehors, assis autour d'un feu à l'entrée de chez elles. Durant cette épidémie d'agression de 1995, les habitants de Zanzibar furent si effrayés qu'ils s'en sont pris à des étrangers. Ces derniers ont été carrément agressés et frappés par une foule hystérique qui était persuadée que ceux-ci étaient en réalité des Popo Bawa qui avaient pris l'apparence d'humains. Alors cet être terrifiant existe-t-il vraiment? Certains en sont persuadés, d'autres disent que c'est de la sorcellerie. Les plus sceptiques parle de troubles du sommeil, car d'après les témoins, c'est durant cette phase qu'ils sont attaqués. En tout cas,
Rien qu'à l'évocation de son nom, beaucoup tremblent de peur, car le phénomène est pris au sérieux par de nombreux habitants. Et pour eux, le seul moyen de se prémunir des attaques de la créature, c'est de ne surtout pas dormir seul. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le-moi en commentaire et si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker et à vous abonner. À bientôt.